Yo tout le monde, c'est Fulito, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 16 et peut-être l'avant-dernier épisode de notre aventure sur Prototype. J'espère que vous allez bien. Ça commence très très fort, voilà, je me fais tout de suite détecter. Moi je sais pas pourquoi il m'a mis là. Alex il s'est mis là, alors il se fait détecter par tout le monde. Je sais pas. Non bref. Et donc, oui, peut-être dernier épisode, enfin avant-dernier épisode, mini-freeze, tout va bien. Pourquoi? Parce que on va rappeler un petit peu ce qui s'est passé la dernière fois. Donc la dernière fois, eh bien, nous sommes battus et oui, nous sommes battus contre Elizabeth Green et nous l'avons tué, enfin assimilé plutôt. Donc maintenant, on est débarrassé d'elle, mais il reste encore le Black Watch et il reste encore plein de mystères. Donc on n'a pas encore tout à fait fini, puisque on va regarder dans les alors attendez juste 2 secondes, ma manette qui bug comme d'habitude, je sais pas pourquoi, elle est un petit peu fofolle. Alors dans statistiques, voilà, on a fait 28 missions sur 31, donc il n'en reste il n'en reste plus que 3. Aujourd'hui on va faire une mission, deux je ne pense pas, parce que je sais pas en fait si elles sont longues ou pas les 3 dernières missions. Donc on verra bien, mais je pense peut-être plutôt en faire une. Donc a priori la fois prochaine ce serait le dernier épisode, on en ferait deux, ou alors l'épisode final sera l'épisode 18, je ne sais pas, parce que je viens de regarder que en nœud d'intrigue on en a que 31 sur 131. Donc j'aimerais quand même en avoir un petit peu plus, parce que je vous l'avais déjà dit la dernière, enfin pas la dernière fois mais la fois d'avant je crois, que ça permet justement d'en apprendre un peu plus sur ce qui s'était passé avant, enfin sur l'histoire. Et donc on peut pas vraiment on peut pas tout savoir si on finit que l'histoire principale, voilà. Faut assimiler des cibles d'intrigue. Donc je pense que on va faire une mission et ensuite on va essayer de trouver des cibles d'intrigue pour la fin de l'épisode. Voilà. Donc écoutez, on va quand même faire la petite mission, enfin la petite mission, je sais pas en fait, on va la faire puis on verra bien par la suite. Non, comment c'est la mission? McMullen's gone to ground. You've come too close too many times. But you have an advantage Blackwatch doesn't know about. You're growing immunity to blood tox. I think the key to McMullen is this. Attack the blood tox facility head on. And let them think they have you. When they think they're in control, they'll bring you to McMullen. How do you know all this? I need a better idea of what I'm up against. Trouver le complexe de fabrication d'hémotoxines. Ok. Attendez, mais c'est là. Ok, bon, bien, je vais m'exposer à de graves dangers. Non, je sais pas. Attendez, comment... Je dois rentrer à l'intérieur. Attendez. Ah non, c'est pas là. Ah, je croyais que c'était le truc. Ah oui, non, mais j'ai eu peur. C'est plus loin. Ah, moi, je croyais que c'était juste la base, en fait, vu que le truc, il était, était dessus. En parlant de base, en fait, c'est vrai que j'ai pas fait tout ce qui était un petit peu optionnel qu'on peut faire pendant l'aventure, c'est-à-dire détruire des nids d'infectés ou bien... ou bien rentrer dans des bases, améliorer nos compétences, par exemple, amélioration, par exemple, avec tout ce qui est compétences de véhicules, ainsi que d'armes. Mais bon, après, c'est pas forcément ultra intéressant, voilà, à chaque fois, je crois que c'est faut rentrer dans une base et assimiler les gens, et puis voilà. Mais, ouais, est-ce que j'en ferai une? Je sais pas. Peut-être, hein, en fait, hein, je sais pas si ça sera vraiment l'avant-dernier épisode, il reste 3 missions, et je sais pas si elles sont... à son grand émission. Oula. Ah oui. Il y a de l'hémotoxine partout là. Attendez, on va juste faire un petit grand saut là. Ah oui, d'accord. Et moi je dois détruire tout ça. C'est un peu taré là-dedans. Mon dieu. Comment je vais faire? Parce que l'hémotoxine, ça me... D'accord, ça me fait bobo. On est d'accord que... Oups. Le mieux, ça serait que j'assimile des gens, mais je peux pas là, il y a des militaires partout. Fuck. Bon, ben on va commencer la mission maintenant. Hein. Pas beaucoup de vie. On verra comment ça va se passer. Il est où le point? Il est là-bas. So
this is where Blood Talks comes from. D'accord. Okay. Destroy the filtration units and the whole thing comes down. Non. Voilà. Ah, bon, on y voit quand même un peu mieux que là. Vision infrarouge. Donc, faut péter quoi? Faut péter tout ça là-bas. Ouais. Bon, ben, pas le choix. Pas le choix, faut y aller. On va y aller en mode bourrin. On va mettre quoi? Bah, écoutez, on va mettre la lame. Je pense que c'est ce qui fait le plus de dégâts quand même. Ou alors, peut-être je pourrais y aller avec un... Avec un... Un hélicoptère. Oula. Ah oui, non, mais ici, ah oui, mais je prends des... Oui. Oula. On va se barrer. On va enlever notre bouclier. Ouh, mon dieu, je me barre. Ah, laissez-moi. Ok, alors la méthode bourrin comme ça, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Je pense que je vais prendre un hélicoptère et je vais tout péter. Je pense que c'est la meilleure des idées. Ouais, donc on va se barrer. Il faut que j'assimile des gens là. Parce que faut que je regagne de la vie. Oula. Petit militaire là-bas. Allez. C'est bon. On l'assimile. Et ça leur donne de la vie, je sais pas. Toi. Mais genre, je peux pas. Voilà. Là, c'est bon, je peux. Oui, ça redonne pas mal de vie quand même. Encore un autre. Lequel? Il y en a plein. On va prendre... Allez, toi. T'as un beau casque. On va encore continuer. Hein. On va prendre lui, tiens. Donnez-moi de la vie, s'il vous plaît. Je préfère. Donc, on va prendre un hélicoptère. Je pense que c'est peut-être la meilleure des idées. Comment je vais faire? Ben, je vais prendre le pouvoir du fouet, tout simplement. Je vais quand même mettre mon petit bouclier. Enfin, mon armure, plutôt. Non, mais genre, je me fais remarquer d'ici, quoi. C'est quoi qui m'a remarqué? Ah non, attendez, il y a les super soldats, ils sont un petit peu embêtants, eux. C'est bon. Je veux un hélicoptère. Là-bas, il y en a un. On va choper celui qui est tout là-bas. Là-bas, tout en haut. Alors, il est vraiment très éloigné. Mais au moins, on sera tranquille. Alors, comment je vais faire pour choper, par contre? Bonne question. Il n'y en a pas d'autres à proximité? Ah si, mais ils sont un petit peu trop près. Oulala. Là-bas. Là-bas, j'en ai vu un, je crois. Oui. Mais on va en prendre, donc... on perd un petit peu de temps là-dessus, je sais, mais... Il n'y a pas trop le choix, hein. Vous avez vu que la manière forte... Ça marche pas trop bien, là-bas. Ouh, je rame. What the fuck? Je rame beaucoup. Comment cela se fait? Non. Alex, tu fais quoi? Je suis pas... Il se barre trop loin. Non, c'est bon, il arrive. C'est bon, il arrive. Non, mais par contre, faut que je saute là. Eh oh! C'est pas grave. C'est pas grave, on va détruire notre hélicoptère. Allez, pète.
Il y en a encore un autre qui va arriver vers nous. Ouais. On va vite le détruire comme ça. On pourra plus nous embêter. Voilà. Et notre indice descend, c'est cool. Voilà, c'est bon. On est tranquille. Je pense pas qu'ils nous verront, les super soldats là. Donc on va mettre notre petite vision comme ça, parce qu'avec la fumée, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Alors, c'est quoi que je dois péter moi déjà? Oui. C'est quoi ça? C'est un mec ça, non? Ah non, c'est ça que je dois supplier. Attendez, on va se... Oui, voilà. C'est parti. Alors bien sûr, là, il y a tout le monde qui me voit. Ok. Peut-être pas la meilleure des idées. On va bouger. Enfin, oui. Utiliser la technique Je m'en vais. Oula. Mon dieu. Cette mission, ça va être chaud. Ah, sérieux. Comment je suis censé faire? C'est vrai que ça m'avait pas mal posé de problèmes à l'époque. Je m'en souviens. Oui, alors. Les hélicoptères. Merci, mais non. Bon, on en a quand même détruit un, quoi, mais bon. J'ai réfléchi. Comment je vais faire? Pas le choix. Faut détruire ça là, les. Attendez. Des hélicos qui sont là. D'ici je peux l'atteindre. Ah, trop loin. Ah non, il est trop loin. C'est pas grave. On va y aller en mode je sais pas comment. Il n'y a pas des tanks ici, je sais pas. Là-bas il y a un tank. Mais ouais, mais je pense pas que je peux le prendre. Ça fait quoi si je le prends? Monter dans le véhicule. Ah d'accord. Bon bah écoutez, j'ai pris un tank. On va y aller comme ça. On va pas y aller en mode Alex. On va se faire dépoper. Mais un truc pas possible. Au moins faut déjà faire un truc. C'est aller intelligemment. C'est à dire on va détruire tout ce qui nous embête un petit peu. Hein. Genre ça. On va détruire tout ce qu'on peut détruire. Ah, peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eu là. Non. Ok, je suis mort. Super. Comment je suis censé faire un truc pareil? Ok, j'ai un hélicoptère. Pourquoi? Bon. Allez, on va pas... Ah non, mais... Ah, faut que je me barre. Cette mission, mais c'est pas possible quoi. Dès qu'on s'approche, on se fait allumer. Truc de taré. Ah oui, oui. Purée. Non, mais pas le choix, faut y aller tout doucement en détruisant les trucs qui nous. Le gaz, surtout le gaz qui.
fait bah, très très mal en fait. Ouais, attendez. Non, veux-tu sauter sur la corniche? Merci. Une pompe à gaz là. On va la détruire. On va y aller intelligemment. Et maintenant on se barre. Alors, on va faire ça, on va y aller et puis on va contourner, on va se barrer. Allez. Voilà. Déjà. Déjà il y a du. Ouais. Détecté. Il y a du gaz en moins. Là aussi on va le détruire. Il est là-bas. Non, purée, c'est pas le... Non, c'est pas ça. Non, mais c'est moi le bon truc, purée. Ah, abruti de jeu. Barre-toi, Alex. Mais genre, t'es sérieux, y a même un molosse qui... Oh, une cible d'intrigue. Ouais bah écoutez, on va assimiler la cible d'intrigue, ça va me donner des... Ça va me donner de la vie aussi. Allez! Sir, here's case file. Firebreak. Thank you, Lieutenant. Sir, will it be necessary? If it comes down to it. Just do your job, son. Everything else is in God's hands. Un projet fournaise, c'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Hein? Ça avait pas l'air très très cool. Allez, purée, non? Ok. Ils l'ont cherché. On va détourner un hélicoptère. On va retourner un hélicoptère. Alors épisode vraiment what the fuck là pour le coup. C'est vrai que je fais un peu n'importe quoi mais... voilà quoi. Ce jeu est vraiment très 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 difficile. Allez. Non. Purée. Pas réussi à l'atteindre d'ici. Faut qu'on se barre. Allez, on va prendre eux. On en a besoin. Non mais. Allez. Ok, mais c'est l'apocalypse ici. Bonjour, c'est l'apocalypse. Si vous voulez savoir à quoi ressemble la fin du monde, eh bien, regardez. Voilà, c'est ça. Voilà la fin du monde. C'est très pas cool. Ouais. Pff, purée. J'aime bien parce que moi, c'est pas vraiment là que je dois aller, hein, mais bon, y a vraiment pas le choix. Hélicoptère qui est juste au-dessus. Allez, on assimile. Allez, on va détourner l'hélicoptère. À la base, moi, je voulais détourner un hélicoptère. Si on peut y aller tranquillement, ça serait bien. Allez, on va vite se barrer. Allez, baisse. Ah, pas le choix, faut y aller de front. Pas grave, si on fait 15 000 allers-retours. Allez, on y va. Non, alors faut peut-être pas y aller avec tes petites armes. Mais tire. Merde. Alors je tire sur n'importe quoi. Ok, il y a des missiles.
On va quitter. Et on en prend un autre vol. Purée, il l'a pas pris. Des fois j'arrivais à faire ça, je quittais l'hélicoptère et puis j'en prenais un autre au vol. Bon. C'est la mission du galérien. Non mais. C'est bon, je peux ou pas? C'est bon. Purée. C'était une mission quoi. Pas se barrer. Non mais non, purée. Allez, on va en prendre un hélicoptère. Allez. Allez. C'est bon. Et on va détruire les petits copains. Ah oh, mais ok, le missile quoi, super. N'importe quoi. Non. Allez, prends lui. Mais non, mais petit Alex, voyons. Allez. Ah. Toute une phase. C'est bon. Allez. Baisse, c'est bon. La liste baisse. Quel bordel. C'est un vrai bordel. En même temps, je veux bien détruire le complexe, mais vous avez vu comment c'est galère quoi. J'en ai détruit que 3. C'était pas un truc. Ok. Et ça. Je sais pas, je tire un peu dans le vent. Ok, ça c'est les trucs de motoxine. Oh, c'est pas grave, au moins on les détruit. Mais en fait, c'était pas ça que je devais détruire. Écoutez, c'est pas grave, on va y aller en mode je bourrine. Oui, c'est bon, c'est ça. Ok, c'est protégé par les piliers. Allez, pète. C'est pas grave. Il y en a d'autres qui arrivent. Allez. Alors je reste avec cette vision là, hein, parce que pour voir les... Non, mais purée, mais... Cible lui. Je reste avec cette vision là, comme ça on voit bien... Vu qu'il y a du gaz partout, on voit mieux. En infrarouge. Non mais, genre je suis déjà ciblé quoi. Allez. Allez, et toi on va te détruire aussi. Allez. Encore un. Encore deux. Ah, c'est pas si facile que ça que de prendre un hélico. Allez, toi là-bas aussi, je te tue. Allez, c'est bon. C'est bon, je peux y aller tranquille maintenant. Vous pensez ou... Alors, on va quand même y aller, hein, parce que bon... Je vais quand même finir cette mission. Allez, j'ai pas que ça à faire. Ah si, mais... On va détruire ça. Pas grave. Ah. Bon, au moins on a détruit une tourelle de défense. Ah mais c'est parce que normalement moi j'aurais été vraiment en mode Alex quoi. Enfin en Alex mais. Ah mais aussi je me fais dépoper. C'est un petit peu rien. Ou alors faut y aller full vie et faire des cataclysmes.
On va tenter, on va tenter. Alors désolé si je prends vraiment beaucoup de temps sur cette mission, mais c'est gros bordel quoi. Allez, faut que j'assimile du militaire là. Allez, donne-moi ta vie. Merci. Où est-ce qu'il y a notre militaire? Là-bas. Donne-moi ta vie, toi aussi. Ok, il m'en faut encore. Toi, donne-moi ta vie. À côté des petits gens malades. Et donne-moi ta vie aussi. Je pense que là, c'est bon, ça devrait le faire. On y va en faisant un bon petit cataclysme. Ça peut passer. On va faire un méga gros cataclysme de la mort qui tue. On va y aller tout de suite en Alex. Oui, alors par contre, je vais lâcher cette arme. Parce que je sens que ça va être le gros bordel après. Bonjour. Vous ne me voyez pas. Est-ce que ça fonctionne si je fais des cataclysmes ou pas? On dirait pas. On va se mettre près des trucs. Allez. Ça doit détruire ça, non? Oui, ça va bien. C'est bon, là on peut rester. On peut rester. Alors attendez, faut pas qu'on perde de la vie. Là-bas, vite. Cataclysme. Oui, c'est bon. Est-ce qu'on les a détruits? Ah, il y a ça aussi qui est chiant. En plus des hélicoptères. Allez! C'est le gros bordel. On va... Non! On va l'assimiler. Allez, assimile-le. Donne-moi de la vie. Toi... Oula, il est là lui. Allez. Il n'en reste plus qu'un. Oui, lui. Et après on pourra se barrer. C'est bon. Hi, boss. That is a foolish thing to do. You know who I am, and you know what I do. You were always so smart. You were ready to give up all our secrets. So you infected me? No, no. Are you insane? But you always were a lateral thinker. Plans within plans. Put down the file and back away! Alex Mercer died. He died threatening to release the most deadly virus in history on the people of New York. You died in Penn Station, but the virus found its way into your bloodstream. And here you are, filling in the blanks. We were trying to figure it out. You just wanted to bring it all down. But this isn't what you came here for, is it? You want to know what happened at Hope, Idaho. You want the truth. I know the secret. Listen, there's nothing else you can do to hurt me. D'accord. Il s'est suicidé. Ok, mais donc on en sait plus quand même.
On sait qu'on est responsable du coup du ben de son état en fait, hein. C'est lui qui a lâché le virus sur par terre. Voilà, il a lâché le virus et donc en se faisant prendre des balles, il est mort. Et mais du coup le virus l'a infecté et donc le voici tel qu'il est. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, on va pas s'arrêter tout de suite. On va faire quelque chose d'autre. Oula, quand même, j'ai quand même bien lagué là sur ce saut. On va essayer de trouver quand même quelques petites cibles d'intrigue. Parce que j'aimerais bien en trouver au moins 4-5. Histoire d'en avoir un petit peu plus, peut-être en apprendre un petit peu plus aussi. Ça pourrait être pas mal. Alors est-ce que je vais faire sans ellipse? Je pense que je ferai des ellipses, pardon. Pour qu'on trouve les cibles, parce que ça risque d'être un petit peu long, je pense, à les trouver à travers la ville. Donc, je fais des petites ellipses et dès que je trouve des cibles d'intrigue, on les assimile et ensuite on pourra se laisser là. Donc, à tout de suite. Là-bas, une cible d'intrigue. Vite. Alors qu'elle se fasse attaquer. Allez, toi. Alors, docteur. T'es un docteur, toi. The process is this. We remove a small amount of blood from the subject. Her blood is always teeming with variants of the virus. These samples are the key to our research. They could cure every ailment known to man. Or incite them. Ok, c'est intéressant, là, il parlait du virus. Pourquoi pas? Là-bas! Voilà, c'est bon. Docteur aussi. Ben dis donc. We've never seen a pathogen with 99.9% mortality rates. 99.999. It's fast too. By day 3, it had taken over 70% of the town. The remaining citizens were then forcibly infected. In the first month, half of the population died from the virus, but the illusion of an uninfected town remained intact. Ok. Et alors c'est vrai, j'avais vu quelque chose là-dessus à propos d'Alex, que en fait lui, il a pas été infecté comme les autres, parce que vous voyez que tous les infectés ils sont des petits zombies de base quoi. Et en fait, Alex, c'est un. Enfin, je crois que le virus, il y a un taux de 99,99%, un truc dans le genre, d'être dans le même état que les autres. Et nous, en fait, eh bien, je sais pas pourquoi, on est le 0,01%, qui fait que, ben voilà, on est comme ça. Du coup, ben, je vais en chercher un petit peu d'autres, peut-être encore une. Et donc, on se retrouve après. Ah, encore une. Ok, tout en haut. Donc ça doit être un militaire. On va arriver par derrière, discrètement. On va l'assimiler. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important? Ok, il a rien compris. Alors. Ok. On va checker un petit peu ça. Parce que c'est vrai que je l'ai vraiment pas fait ça. Chaque fois pour bien voir. En fait, c'est toutes les cibles qu'on a assimilées. Qui forment un lien. Un nœud d'intrigue. Je crois qu'on en est à 34. Je vais encore chercher une pour être à 35 et on se laissera là après. Voilà, écoutez, attendez, je vais quand même juste ça, on sert d'être bon, je ferai ça après à la fin.
Donc je vais encore en chercher une et donc on se retrouve après. Donc à tout de suite. Bon bah écoutez, j'ai cherché mais au final j'étais déjà à 35. C'est vrai que j'avais oublié que pendant la mission on avait assimilé un petit Gugus. Donc du coup ben on est à 35, c'est tout good, c'est tout bon. Ben on va pouvoir se laisser là. Ouais. Donc bien prochain épisode. J'ai arrêté de faire ça. Prochain épisode, est-ce que ça sera l'épisode final? Je ne sais pas en fait. J'aurais dit encore une fois au final, voilà, ça fait un petit peu bizarre. Au final, je ne pense pas que ce sera l'épisode final. Pourquoi? Parce qu'il reste deux missions. Je ne sais plus si les deux missions se déroulent à la suite, un petit peu comme pour Elizabeth Green où les deux missions étaient liées, quoi. Fallait protéger le truc et ensuite fallait tout de suite la battre. Là, je ne sais pas si elles seront liées. Donc, soit elles sont liées, donc du coup, ça sera un long épisode, mais ça sera l'épisode final. Soit elles seront pas liées, et dans ce cas, peut-être que ce sera pas l'épisode final. Donc, soit ça sera la prochaine fois, soit ça sera à l'épisode 18. Donc du coup, si c'est l'épisode final, ben, je pense pas qu'il sortira, alors, attendez, on y va sortir quand? Il va sortir lundi, donc je pense pas qu'il sortira jeudi. Parce que j'ai l'habitude de faire un petit GMV à chaque fin de let's play, donc je pense que qu'il sortira plus vers le week-end ou bien le lundi prochain. Donc de toute façon je vous préviendrai sur la chaîne. Donc voilà. Donc après bon, sinon si c'est pas l'épisode final, eh bien dans ce cas il sortira jeudi. Mais si jeudi il sort pas, je vous préviendrai, je vous dirai ah c'est l'épisode final, donc du coup il sort lundi. Et si je dis rien, eh bien ça sera pas l'épisode final. Voilà. Donc écoutez, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Et donc nous, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 17, soit l'épisode final. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.